Nous revoilà la fine équipe 2024, aéroport de Barcelone, et nous partons pour un séjour au Japon. C'est rigolo parce que Jordi a mis son casque dans le sac à ski. On dirait qu'il y a un mort dedans. C'était la blague du début de voyage. Santé, bon voyage, bonne sieste. Voilà. Ça, c'est l'un des bons moments aussi, de charger la voiture. Enfin, la voiture. Bref. Le camion. Non, la camionnette qui nous transfère vers notre hôtel à Niseko. Desde luego nos repetimos. Ah, c'était une commande spéciale que nous avons fait pour demain. Oui, on a commandé la neige. Oui, c'est... On a commandé la neige. À une température bien pour Morgan. Le Japon, c'est vraiment une destination de ski incroyable. Même un rêve pour beaucoup de skieurs, en fait. Mais bon, soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas forcément s'y rendre. Donc pourquoi pas explorer ce que l'Europe a à offrir grâce à notre partenaire Snowtrex. Alors Snowtrex, c'est le numéro 1 du séjour du ski en Europe. Et alors attendez, en 15 secondes, j'ai un cadeau pour vous. En Europe, il y a des stations vraiment exceptionnelles avec des paysages vraiment magnifiques et des ambiances super sympas. Donc, que vous cherchiez des vacances à prix canon ou une expérience un peu plus luxe, Snowtrex a exactement ce qu'il vous faut. Vous pouvez réserver un séjour avec le forfait ski inclus. Ils proposent 2500 hébergements dans 500 stations. Leur site est simple, agréable et intuitif, avec un service client, j'ai vu sur les avis, super actif. Et en plus, avec le code Morgan60, vous avez 60€ de réduction des 500€ d'achat. Ça, c'est mon cadeau. Tous les détails sont dans la description. Allez, on continue l'aventure sur l'île d'Hokkaido. Dépannage express. Stop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier jour de ski. Et on va par là. Olé! Un mont très réputé ici.
avant qu'on meure écrasé par un bus. C'est le mont Yotei, ici. C'est célèbre, ici. C'est magnifique. En plus, il est ensoleillé, là. Ça, c'est le luxe. Dans l'hôtel, au rez-de-chaussée, des lockers, quasi à ski. Et en sortant des lockers, la télécabine. Là, on est bien quand même. Hein. Donc là, on est sur Niseko Village. On monte en haut de la télécabine, on descend sur la gondola de Hilton. On monte tout là-haut. Et on finit tout à droite, tout à gauche. Sur Annapurri, par là-bas. Annapurri. Sur Annapurri. Annapurri, là-bas. Niseko, ici. Granilafu. Et Anazona. Wonderland Chairlift. C'est le mono-siège. Le mono-télésiège. Sans barrière, on a le cul posé sur le plateau. Et voilà. Ah, la vue, elle est bien. Al maestro! Et à le mettre par terre! Ça va faire le tour de la planète! Il a perdu le ski! Si, 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 si! Les trois élèves, ils ont descendu, le maître, il est resté dans l'arbre. Elle veut 200 000 euros cette vidéo. Je vais pouvoir faire tous mes stages gratuits grâce à cette vidéo. Tu comprends pas le potentiel? Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out. This is Niseko United.
The best of the best of all. Che tal il dia? Fantastico. 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 Muchísimas gracias. Fantastico. Gianno. Comment c'était la journée? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est merveilleux. Bon, la neige est fantastique, rien à dire. Malgré qu'elle est un peu trafoulée aujourd'hui, mais ça skie très bien, c'est un bon exercice. Rien. J'ai rien à dire à ce que vous devriez venir, c'est tout. C'est bien. Je le sais, hey. Pour tes skis. Hey. Mais sans temps de bon appétit. On a passé une journée de... De l'autre côté parce que Maxime, devine où on est. Devine où on est. Tu te rappelles, c'était les sièges là. Là, et après, on va tout droit. Le chemin. Tout droit, le chemin. Le chemin d'or. Et après, on descend, et tu sais ce qu'on fait là quand on descend? Attaque. Allez, la bise. Avenger! Ruzutsu Resort! Là, on est à Ruzutsu. Mais merde! Il neige! Oh pitié! Très fort! Oh là là! On est bien! On est bien! Qu'est-ce que je suis bien! Oh là là, je suis bien! Allez, bonne nuit! Alors, c'est quoi cette vidéo? C'est qui ce type? C'est un petit Marseillais. Il a dû sniffer un rail de neige. Il a dû faire on sait pas quoi. C'est une vidéo sur internet qui circule. Et il est allongé à côté de son fauteuil. Et il dit... Oh là là. C'est la blague du séjour. Donc le premier qui s'en prend une, il devra dire ça. On va le prendre dans une vidéo. On l'attend tous. On le ramène et on le prend en vidéo. Voilà, alors peut-être qu'il y aura cette vidéo. Et là, on attend pour monter encore un peu plus haut sur la partie East Mountain à Ruzutsu et dans la forêt, dans la neige plus grosse. Ça se partage, ça. À cause d'un peu de vent, il y avait toute une zone fermée à Ruzutsu. Après, j'ai l'air con. Le mont Isola. Et là, on arrive en haut. J'étais en train de calculer où on allait descendre. Pour avoir les meilleures traces. Et là, on nous dit, c'est ouvert. Et nous voilà, on se retrouve dans ce secteur-là. Et on est les premiers à tracer dans la forêt. Quelle chance nous avons. Fantastique. Bon, on y retourne. Allez. Oh là
je suis mieux. Non. Hey, Dodo. Ok. Things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth. Say you're sorry. And sort things out. But you know well as I, you never will if you don't. You never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones. 'Cause I know deep down inside. Alors aujourd'hui, on part faire du catski à Iwanai, un petit peu plus au nord de la Wendy. Et la vie fait bien les choses, car bah, il vient de neiger, putain, je sais pas combien de centimètres. Et il neige encore. Donc, toute la nuit, il a neigé, et il neige encore. Donc la vue, quand on se lève, elle est juste incroyable. Alors, je dirais qu'il est tombé 30, 40, facile. Combien il est tombé là-bas. Je pense que je vais prendre les deux paires de skis. Les Fisher Ranger en 116, les Big Sticks, et les Headcore en 100. Pour voir lesquels seront les plus amusants dans ce type de neige. Allez, après avoir oublié mon casque, faut aller à Iwanai. Allez, on est parti. Bonjour. Hello guys, sorry for the late. It's the day. Today is the day. Allez, on arrive à Iwanai. Ancienne station désaffectée. Reconvertie en catskiing. La montagne est pour nous. Et voilà, on y est. Iwanai Resort.
fait quoi, genre, là, maintenant? On explore une nouvelle station que je connaissais pas. On est en train de monter dans une dameuse. C'est une dameuse bus. C'est une dameuse bus, salle de cinéma. Let's go! Before we drop that section, I'll regroup and everyone explain what's going on. Ah, c'est le meilleur endroit, le meilleur moment pour pouvoir essayer la gamme Headcore. Donc là, moi j'ai les 99. J'avais aussi les Ranger Big Sticks 116. Et je crois que cet après-midi, je vais essayer le Headcore 111. On verra bien. Allez,
là maintenant, c'est le moment pour manger. Allez, après un bon petit hamburger au poulet, quelques friands, quelques douceurs chocolatées type Snickers, que Jordi a dégoté. Volé. Il les a complètement volés. Au serveur. Al maître. Il a volé les chocolats à maître. Nous voilà repartis. Dans le casque. J'ai loué les head. Oui, les headcore. Comme ça, je vais pouvoir comparer le comportement du ski. Ranger, Fisher, Ranger, Big Sticks, 117, 116 avec le Headcore, son homologue dans une autre marque. Voir quel est le comportement du ski. Parce que j'ai le Headcore 99, je préfère son comportement, mais j'ai quand même encore un doute sur par rapport au Fisher Ranger. J'ai quand même un doute sur est-ce que c'est la longueur, la largeur. Voilà. Donc le mieux, c'est dans le même endroit, dans la même neige, essayer les deux. Et là, c'est le grand luxe de pouvoir le faire. C'est parti. Are you okay? Are you okay? You have the two skis? Okay, great. Oof. It's tight. It's very tight. It's tight. Bon ben voilà, hein. C'est pas terminé, encore une descente. Ayuanai, c'est fantastique, perdu au milieu de nulle part, forêt. On vient de faire du ski, de la poudreuse, enfin, en fait on fait que ça depuis le début de la matinée en même temps. Chaque fois, ça trace. Le taxi arrive. Allez, on continue. Thank you guys. Great. Thank you so much. Une journée incroyable. On va chiller un petit peu après ski. On a tout ça pour nous, tranquille. Voilà, c'était fantastique. Il n'y a pas trop de mots pour décrire. Ça se vit. Ceux qui veulent le vivre, eh bien, venez ici. Venez avec nous et profitez de toute la montagne. Il y a des descentes sur la piste, pleine de poudreuse. C'est les anciennes pistes. Ou dans la forêt, gavée de poudreuse. Voilà, ça vaut vraiment le coup de venir faire ça ici, au Japon. Et de faire tous ces kilomètres aussi. Ça vaut le coup. Allez, c'est le time pour chill. J'avais pas précisé, mais on n'était que 14 et 14, 28 personnes pour tout le domaine derrière qui est énorme. Hectares, des hectares, des hectares, des hectares. Donc évidemment, pas de traces où qu'on aille. On était les seuls. Et ça, ça n'a pas de prix. Oh, du soleil! Allez, en route pour la deuxième fois du séjour à Rozotsu. Oui, ça va. Il a neigé. Combien il a neigé aujourd'hui?
32 centimètres. Pendant qu'on était à Iwanai, où il y avait déjà entre 50 et 1 mètre de neige. Voilà. Et il neige encore, hein, bien sûr. Et voilà. Ruzutsu Resort. C'est reparti pour une journée. Il fait plutôt bon. Mais bon, dans la forêt, on y voit bien, de toute façon. Donc, tout va bien. On s'est trouvé un coin fantastique. Là-bas. Ça. Incroyable. Ici même à se raconter les histoires de la journée, on repart vers l'hôtel Greenleaf Hotel à Niseko. Et devinez quoi, il neige encore. Là, on part au resto à côté de l'hôtel et on doit prendre le tapis magique. Bon, bah, c'est même plus marrant. Il n'y a plus rien à deviner. Il a encore neigé. Et il neige encore. Ouais. Allez. Dernier jour. 17 jours au Japon. Mais non, ne dis pas ça. Et il neige. Quelle surprise. Otra vez. Again. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il neige encore. Ouais, c'est bizarre. Il neige tout le temps. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Quelques minutes de marche pour s'échauffer sur la piste Superstition. Ouais, je sais, vous avez reconnu parfaitement bien la chanson. Et ça remonte, ça pose. Et oui, et étrangement, il neige. Bref, vous connaissez la chanson maintenant. Ça, on refuse pas hein, cette petite
fraîche là. Bien, 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 volve, 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 volve. Aguanta, 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 aguanta. Volve. Aguanta. Muy bien. Bien, bien, 10 juntos además. Sí. Très bien. Alors là, là-bas. Les conditions de neige étaient donc de la Trafolle d'hier, avec, il a beaucoup neigé avant-hier, beaucoup sont passés, la neige trafolée. Avec des grosses bosses dessous de peut-être 50 cm. Et là, il a reneigé, je dirais quoi, 10, 15 cm. Et donc, on a l'impression d'être poudreux total. Et dessous, il y a les bosses. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour garder les pieds ensemble, les genoux ensemble, les jambes ensemble, pour que les deux skis fonctionnent en même temps. Et parce que là, il n'y a qu'une envie, c'est qu'ils se séparent. Ils ont envie de se séparer tout le temps, chaque fois. Donc, c'est bon, mais alors là, dans ces conditions, c'est beaucoup plus épuisant. Allez, on continue. Par là-bas. Allez, les pieds, les genoux. Cherche un appui avec le bâton. Ouais. Super, mon Jeannot. Tu pourras te la péter. Yeah, man. Oh là là. Muy bien. Sí, pero... Oh, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno. On est en haut de... Non, c'est pas le Wonderland, c'est Charlie, tu l'as, c'est... Je m'en rappelle. Allez, on est en haut de tout et on va rejoindre Nice Eco Village, on était à Grand Irafu, pour cette dernière descente de notre superbe, splendide séjour au Japon. Beaucoup, beaucoup, énormément rigolade, bon moment. De paysages spectaculaires, on a skié dans des endroits absolument fantastiques, là encore tout à l'heure. C'était vraiment sans mots. Ça nous laisse sans mots pour le décrire. Il faut venir pour le vivre. Voilà, voilà. J'espère que tous ces moments partagés vous auront fait du bien, fait vivre d'autres émotions. Ça nous fait du bien de... Peut-être dans certains endroits où on ne se pose pas trop de questions aussi, il va déjà. Et on vit des choses extraordinaires. Voilà. Il y a du pentu là. Ah, c'est déjà rien. Regardez la pouille.
regardez la couille. Combien? Regardez la couille, c'est rectangle. Ouais. C'est un campo de mix. Regardez la couille. Regardez la couille. Tes genoux, là il y a tout, et l'appui sur le bâton. Et c'est tellement raide que quand tu tombes, quand tu tombes, t'es pas tombé en fait. Let's go! Bye bye Niseko! C'est pour d'accord? Là, je suis en train d'entendre que des conneries. Ah là là, comment diraient les Espagnols, qu'est-ce divertido? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Bye bye Niseko! Bye bye Niseko! Niseko Village! Greenleaf Hotel! Pas très très loin de ski. Il faut casser la vanitat. Bon, il y a encore un peu 2-3 mètres à faire, mais ça va. Ah, et on a terminé par une piste facile. Les jambes s'en rappellent. Voilà, on n'a pas. On s'est pas défilé. Et on a fait évidemment tranquillement. Un virage à la fois, vous allez me dire c'est logique, mais non, un virage lent à la fois, parce que la fatigue était très présente. Voilà. Je sais pas, j'espère que c'est que l'ombre. Mais bon, ça va s'aggraver, mais c'est séquentiel, tu sais quoi. Donc, c'est fini. Je sais pas, on rentre. T'as plus la voix, Joël. Non, t'as plus la foi, t'as plus la voix. Putain, on doit se bouger. Oh là là, on a pu avoir les vols à chaque fois à quelques minutes. Oh, oh. Oh putain, Sapporo, on a attendu une heure de queue et deux heures pour qu'ils nous prennent les bagages. Ils étaient paumés complets. On a embarqué, c'est la sécu, et on a embarqué dans la foulée. L'avion était en train de... Enfin, l'embarquement s'est terminé. Pareil, à Tokyo, on est passé. Oh, et là, pareil, l'avion a eu une demi-heure de retard. Donc, on a eu quelqu'un qui est venu nous chercher pour nous guider à travers l'aéroport. Et pareil, on arrive là, il y a une minute pour embarquer. Le vol décolle très bientôt. On l'a eu, on l'a eu. Thank you.